équipe du Cameroun, une démarche très bizarre de Samuel Etou, crée la polémique. Le président de la FECAFOU, Samuel Etou, ne cesse de créer les polémiques sur les réseaux sociaux. Désormais, la Fédération Camerounaise de Football va former les journalistes sportifs camerounais. La Fédération Camerounaise de Football, FECAFOU, sous Samuel Etou, veut être en symbiose avec les journalistes de sport. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour viables sur l'actualité du Cameroun. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. C'est alors dans cette lancée qu'elle organise du 24 au 26 juin à Yaoundé, la capitale politique du 237, Cameroun, un atelier de recyclage des journalistes et d'imprégnation à la nouvelle politique de la FECAFOU. De sources bien introduites, Actu Cameroun apprend que cette rencontre permettra à l'administration de Samuel Etou d'exposer et familiariser sa vision et son projet pour la relance du football camerounais aux professionnels des médias. Ce grand moment de convivialité et de vérité est nécessaire en ce début d'une relation institutionnelle entre la FECAFOU et les représentants de la presse qui doit durer et même être pérennisée, note la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOU, lit-on sur le site Actu Cameroun. Samuel Etou, au cœur d'une autre polémique, il convient de rappeler, président de la FECAFOU, a également créé la semaine passée une autre polémique suite à ses propos dans les vestiaires des joueurs. Lors de la première journée des éliminatoires à la CAN 2023, je ne suis pas content du tout de vous représenter l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années, parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais les problèmes que j'avais, et ça ne va pas se passer comme ça tant que je suis président, a-t-il déclaré.